Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, tout ce que je vous propose. Si vous avez écouté la vidéo des messages pour tous, vous comprendrez que pour l'instant, je ne sais pas si je vais prendre des guidances privées. Voilà, allez, on y va mes amis Capricorne, on va pas perdre de temps. Donc on part avec les artisans de lumière pour vous, mes amis Capricorne. Oh! Oh, mais bien. Oh là là. Waouh. C'est puissant, je ne vais pas vous le cacher. Alors, on me dit qu'il est temps de lâcher prise. Il est temps d'arrêter de vouloir tout contrôler. Il est temps de laisser tomber ce qui doit s'arrêter. On me dit que là, c'est l'effondrement. On a la tour. Vous savez que la tour, c'est tout se détruit pour tout se reconstruire. C'est une renaissance. On dit vous êtes protégé, mais par contre, il va falloir couper des liens importants. Et vous êtes dans le doute. Vous êtes en plein doute, en pleine confusion. Mais les doutes vous font comprendre des choses, vous font évoluer. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous exprimer par rapport à vos propres doutes. On dit qu'on est encore sur les coupages de liens. Vous devez sortir de votre caverne, afin de pouvoir guérir et réécrire votre futur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est revenu dans votre vie, qui vous a mis en doute. Et là, vous n'êtes plus en doute. C'est vous coupez, vous coupez, vous coupez. Malgré tous les doutes que vous allez avoir durant ce mois de mai. D'accord? Après, nous allons partir avec les tarots. Le tarot psy du cœur. Pour mes amis Capricorne. Quel message à donner à mes amis Capricorne? Quel message dois donner à mes amis Capricorne? Oh! Elle est partie où la carte? Vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez besoin de vous ouvrir par rapport à vos chakras afin de passer à autre chose. Ça fait trop longtemps que vous piétinez dans une situation. Ça fait trop longtemps, ça fait plus d'un an. Oui, ça fait plus d'un an même. Que vous manifestez quelque chose qui n'arrive pas. On me dit qu'il est temps de lâcher prise. Là-dessus. On dit tout ça impacte votre plexus solaire. Et les choses qui vous angoissent. On dit que personne ne vous tend la main. Après, peut-être que vous n'avez pas du tout envie de besoin d'aide. On dit que là, il va falloir communiquer avec la lumière. Donc, avec tout ce qui est l'au-delà. À qui vous croyez. Mais on dit que là, vous ne croyez plus en rien, carrément. Vous n'êtes plus dans l'attente des résultats. Vous n'étudiez plus la situation. Là, vous devez prendre une décision importante pour vous afin de passer à autre chose. Parce que là, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans la stabilité. Vous cherchez juste votre propre rayonnement, votre propre épanouissement. Vous voulez un nouveau commencement dans votre vie qui n'arrive pas. Vous voulez un nouveau départ dans votre vie qui n'arrive pas. Vous êtes patient. Waouh, vous êtes super patient en plus. Hein. Ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être au niveau sentimental et familial. Bah, le sentimental, ça vous ferait un bien fou. Moi, je vois l'amour et je vois la famille. C'est ça qui vous ferait un bien fou. C'est de reprendre votre équipe au niveau familial et sentimental. Un épanouissement, un rayonnement. On va aller chercher le pourquoi du comment. Parce que vous voulez que quelque chose bouge à ces niveaux-là, peut-être aussi. Et ça ne bouge pas. Et parce que vous cherchez un nouvel ancrage. Et ce nouvel ancrage n'arrive pas et ça vous énerve. Vous êtes dans la tristesse. Vous devez vous détacher de quelque chose. Vous n'arrivez pas à trancher une situation.
Vous n'accueillez rien, vous ne manifestez rien, vous ne reconsidérez rien. Pourtant, il y a un lien là avec quelqu'un. Et peut-être que vous avez besoin de respirer tout simplement. Vous avez besoin de mettre un terme à une situation qui est obsolète. Vous avez besoin d'arrêter ce cycle qui vous a énormément fatigué, épuisé. Vous avez affronté énormément de démons, de problèmes. Vous avez eu du mal à ouvrir les yeux. C'est comme si tout vous est tombé dessus sans comprendre le pourquoi du comment. Mais vous sortez de vos peurs et vous serez récompensé. Par contre, là, vous allez devoir prendre soin de vous parce que vous ne prenez pas du tout soin de vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop dans le contrôle de vos émotions. Vous pensez que personne ne peut être là pour vous aider, sachant que vous avez un caractère très fort. Et pourtant, malgré que personne ne va venir vous aider, vous allez vous remettre d'aplomb seul. Vous allez réussir ce que vous souhaitez. Pour moi, ce que vous souhaitez, malgré que c'est compliqué, c'est de passer à autre chose, sortir de votre isolement, pouvoir enfin vous détacher et qu'il y ait une partie de votre famille ou sentimentale ou les deux viennent à votre secours afin de reprendre votre propre équilibre. Parce que là, vous êtes impuissant ou impuissante et sans espoir. Et ça éteint votre chakra du cœur. C'est comme si votre chakra du cœur avait brûlé. C'est comme ça que je vois. Une boule de feu. Voyez ? Et vous avez besoin de guérir par rapport à tout ça. Il est temps de reprendre les commandes de votre vie. Il est temps de sortir de derrière le rideau. Il est temps d'être acteur ou actrice de votre vie. Parce que là, ça fait longtemps que vous êtes spectateur ou spectatrice. Et il n'y a rien qui bouge. Maintenant, vous voulez que les choses bougent. Et c'est vous qui allez vous donner les moyens, seul, pour que les choses bougent. Enfin. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la destinée. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Du 1er au 31 mai, s'il vous plaît, un message. Une aide inattendue, vous voyez, vous n'en voulez pas. Et pourtant, l'aide inattendue va arriver, le soutien va arriver, acceptez les signes aussi de l'univers. Pour moi, ça sera plus au mois de juin. Reprenez confiance en vous par rapport à vos nouveaux projets, par rapport à une créativité. Ça sera peut-être pour vous le 2 juin. Pour l'instant, vous étiez en mode ermite. Vous avez besoin d'un nouveau changement, un nouveau commencement. Vous êtes mis en mode ermite. Vous avez besoin. Vous aviez. Vous aviez besoin de vous retirer un moment afin de pouvoir comprendre et réfléchir sur une situation qui vous impactait. Et on me dit que vous allez prendre une nouvelle prise de position. On me dit qu'il va falloir être fier de vous quand même, parce que vous avez énormément avancé. On me dit que là, vous avez besoin de vous diriger dans un endroit secure, donc sécurité. Et on me dit que vous êtes prêt en tout cas à relever des défis malgré la jalousie qui vous entoure. On me dit qu'il va y avoir un rétablissement de votre équilibre, un rétablissement de votre santé. Les changements vont être là. Et vous allez tout faire pour que ces changements perdurent. On me dit que là, vous allez traverser une grande, grande tempête. Et on me dit que le calme va revenir à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Donc, dans votre vie, après cette grande tempête, ce grand marasme, le calme revient. Il y a des choses qui ont été tranchées. Eh oui. Et voilà.
Les choses qui ont été tranchées, on parle d'une grande libération pour vous. Le changement est là. La roue tourne enfin. Je ne vais pas vous le cacher. Je vous ai parlé du 2 juin. Ça peut être entre 2 et 11 juin. On est sur mai. Désolé, moi, quand j'ai des flashs, je vous le donne. Hein. Et après, si c'est du 2 mai ou 11 mai, c'est très bien. Moi, je vous donne juste mes flashs. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes nostalgique du passé. Vous travaillez beaucoup pour résoudre des choses du passé. Mais regardez comment vous avez changé. Arrêtez de vous culpabiliser pour rien, surtout. Arrêtez, Mélanie Capricorne. Ben oui, le bonheur, il est à portée de vos mains. Ouais, par contre. Pour certains, Capricorne, au niveau sentimental, vous êtes en plein brouillard. Vous prenez le temps de récupérer, de vous reposer, d'y voir clair. Hein. Au niveau sentimental, vous avez besoin d'y voir clair. Hein. Ou alors, vous vous posez trop de questions, je ne sais pas. Non, vous êtes épuisé moralement, physiquement. Là, vous allez vous reposer. Peut-être que tout ce mois d'avril, vous êtes reposé pour comprendre, pour vous recharger en batterie. Pour aller vraiment chercher vos objectifs. Vous n'êtes pas en colère. Vous avez été en colère, mais vous n'êtes plus en colère durant ce mois de mai. Vous allez vous reconnecter, vous revigorer. Et certainement, il va y avoir une visite familiale qui va venir vers vous. J'ai l'impression que cette visite familiale, vous n'y attendiez pas. En tout cas, cette visite familiale va vous apporter une renaissance et vous allez enfin pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a tellement de choses qui vous bloquent, donc déjà, si bon, il y a des choses qui se débloquent, c'est super bien pour vous, d'accord? Vous avancez avec détermination, vous reprenez les commandes de votre vie, de toute façon, c'est votre année aussi, hein. De toute façon, l'année 2024, c'est l'année pour tous les signes. Si vous n'avancez pas en 2024, vous n'avancerez pas en 2025, ça c'est clair, hein. D'accord? Vous sortez des défis, vous sortez des problèmes. Vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, vous avez lâché tous les épées, vous avez lâché tous vos fardeaux, parce que vous avez compris qu'il fallait avancer. Mais vous êtes encore à peine à finaliser un projet qui vous tient à cœur. Parce que si vous n'arrivez pas encore à finaliser ce projet, c'est parce qu'il y a des choses encore qui vous inquiètent, qui vous stressent. Donc, du coup, vous faites une pause parce que vous n'avez pas envie de vous précipiter. On dit que vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous extraordinaire. Vous avez une force, mais décuplée. Et quand vous vous dites, il faut que je fasse une pause, vous la faites. Même si c'est en retard, parce que vous êtes vraiment au bout du bout. Vous faites cette pause parce que peut-être que là-haut on dit c'est stop, voyez. Mais vous êtes vrai, vous êtes sincère, vous êtes pur et vous voulez aller au bout de vos rêves, mais vous allez y aller, hein, ça c'est clair. Ben oui, mais par contre, il va falloir reprendre votre équilibre, il va falloir être en pleine sagesse, il va falloir aussi être en pleine tempérance. Afin que le soleil, la chance, la lumière, la joie et le plaisir reviennent dans votre vie. Parce que là, sentimentalement, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Donc, ça a été compliqué. Ça a été dramatique pour certains ou certaines Capricornes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On verra après que le sentimental, on n'était pas du tout sur le sentimental. Moi, je vous dis tout ce que je vois. Hein. Allez, avec vous, on va partir sur Béline, l'oracle de Gabriel Sanchez. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne du 1er au 30 mai. Très bien. Alors, je vous entends. Elle va me sortir, je ne sais pas qui me parle. Vous êtes tellement nombreux. Elle va me sortir que oui, je vais gagner quelque chose au niveau d'un procès juridique ou héritage. Voilà ce que j'entends. Ou d'une vente. Ou d'un achat.
Alors, par rapport à tout ce que j'ai entouré dans ma tête, oui, c'est la réussite durant ce mois de mai. Mais peut-être qu'à partir de 30, enfin, peut-être que le 30, est... non, ça n'existe pas, en plus, le 30, donc ça sera. Non, vous inquiétez pas, je parle toute seule. C'est la réussite pour vous au mois de mai. Et je pense que vous êtes vous avez tellement combattu, tellement été têtu. Et c'est très bien, c'est tout à votre honneur. D'ailleurs, parce que c'est la réussite. Pour moi, le 31 mai, il y a quelque chose qui se passe. On va continuer pour voir. Hein? Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Donc, vous voyez ça, comme ça vous parle. On dit que la grâce revient pour vous, le bonheur revient pour vous par rapport à un héritage. Où il y avait du mal à finaliser une situation. Là, il y a eu un nouvel appui, pardon, un nouvel appui juridique ou avocat ou notaire qui sont arrivés pour vous. C'était une fatalité, c'est une obligation, mais ça n'est trop. Vous allez finaliser un procès, un combat. À un moment donné, j'ai l'impression que vous avez perdu pied. Hein. Vous avez tout lâché dans votre tête parce que ça vous épuisait tellement. Hein. Pour vous, vous êtes dit, ça arrivera jamais. Mais ça arrivera jamais, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que vous avez eu du mal à retrouver la paix à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'élévation, il n'y a pas eu de changement dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être à un moment donné, vous avez eu des soucis de santé, vous êtes retrouvé seul à la campagne pour trouver une solution. Seul à la campagne, il y a des problèmes de santé psychologique et physique, pour certains ou certaines, afin de chercher une solution au niveau financier. Mais on me dit que la solution financière va arriver. Et c'est fini les pourparlers, c'est fini les discussions, il n'y a plus rien à se dire. D'ailleurs, il n'y a plus de nouvelles, c'est-à-dire que vous passez plus, je sais pas, c'est comme les choses ont été bloquées, vous passez plus avec vos adversaires, c'est avocat avec avocat, ou notaire avec vos notaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout ça vous a mis dans l'inconscient parce que vous ne saviez plus rien, donc ça vous énervait aussi. On va pas tourner tout ce que je dis. Et c'est bien par rapport à la famille. On me dit que vous allez gagner, ça sera les honneurs pour vous, vous serez couronné de laurier. On me dit qu'il n'y a plus de trahison derrière, il y a des choses qui vont plus vous rendre malade. Les choses ont été enfin débloquées, ça fait longtemps que c'était bloqué. Mais vous là, vous avez du mal à prendre un nouveau départ parce que de nouveau, il y a un accident. C'est quoi cet accident? Bon, ça prend pas l'eau non plus. Un accident, mais je vois pas un accident grave. Un accident grave, je veux dire. Par rapport à tout ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a eu une épine qui a coincé un truc, mais on dit que ça perd pas, ça prend pas l'eau, le bateau ne coule pas, en ce moment même. Non, les choses étaient stériles, mais non, 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 les choses bougent, là, les choses vont bouger. Bah, y a eu des problèmes d'infortune, hein, où là, oui. Vous avez vécu énormément de méchanceté au niveau professionnel aussi, et par rapport à l'amour aussi, à l'amour familial, à l'amour sentimental. Là, le changement est là. Alors, vous étiez pieds et poings liés. Vous avez appris la patience, la sagesse. Il n'y a pas de hasard, vous avez votre bonne étoile autour de vous. Et vous partirez sur une belle élévation. L'étoile est au-dessus de vous. On a voulu votre perte, on a voulu vous voler. Vous avez découvert tout ça. C'était votre ruine psychologique. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver le plaisir. Vous sortez enfin de votre enfermement. Il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de manipulation entre vous. Waouh! Excellent. Je sais pas à qui ça parle. Hein. Moi, je sais pas. Chaque oracle parle différemment. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter tout. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis, 4 carrés. Avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis Capricorne? Qu'est-ce que je peux dire à mes amis Capricorne? Quelle information je peux donner à mes amis Capricorne, s'il vous plaît? La loi, la justice. Ça peut être au niveau professionnel, voire tout simplement
La loi et la justice, ça réparait les choses. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Ça soit au niveau professionnel, vous reprenez votre équilibre par rapport au travail et enfin vous pouvez bouger, lâcher prise. Il y a eu énormément d'accusations. Vous entendez bien? Si c'est la justice par rapport à un problème de justice, si c'est un problème de travail, vous reprenez votre équilibre malgré toutes les accusations. Enfin, la roue tourne et le changement, il est bien pour vous. Ce soit une réparation au niveau professionnel, le changement, il est bien pour vous. On me dit que vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance avec tout cela. On me dit que les choses n'ont pas été examinées comme vous souhaitiez. C'est pour ça que vous ne pouviez pas prendre de la distance à un moment donné. Rien à voir avec le sentimental. On me dit direct, d'accord? Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a une réparation avec des accusations par rapport à des enfants, par rapport à de la justice, hein, d'accord? Donc ça peut être par rapport à un divorce, du coup, une garde d'enfants. On me dit que vous avez eu du mal à ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais vous attendiez quand même le verdict, que justice soit faite, on va dire cela comme ça, afin de partir sur une nouvelle évolution, suite à une séparation, c'est bien ce que je dis. Et la chance est avec vous. Et vous sortez enfin de votre instabilité émotionnelle et physique. Un cadeau du ciel arrive pour vous. Ça a fallu du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Vous êtes bagarré pendant longtemps au sein de votre foyer. On dit que la correspondance va arriver. Vous allez enfin pouvoir vous projeter. Et ça sera une grande renaissance pour vous. Et vous allez enlever toutes vos barrières, toutes vos protections. Vous allez enfin sortir votre enfermement. Parce qu'il y a des compromis, des négociations, des conciliations qui vont être faites. Ça n'a rien à voir avec des amis. Non, il n'y a pas de trahison amicale, il n'y a pas de trahison triangulaire, rien du tout. Non, c'est la famille. Des compromis, des négociations au niveau familial. Les choses ont pris du retard, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Mais on dit qu'une grande victoire, mais avec, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus. Parce que ça a pris tellement de temps que vous n'y croyez plus. Pourtant, vous commentez et ça vous fait mal. Hein. Mais vous n'y croyez plus. Vous avez perdu votre tranquillité, vous avez perdu votre sommeil, parce que vous attendiez une signature qui n'arrivait pas. Et pourtant, la signature arrive, parce que c'est la grande victoire. On me dit qu'on vous a fait énormément culpabiliser par rapport à des enfants. On reste sur les enfants par rapport à des enfants. On me dit que vous êtes à nouveau carrefour de votre vie, mais on me dit qu'il y a eu aussi énormément de colère, de discussions houleuses, de débats. Tout ça a impacté votre santé. On me dit que là, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Votre santé va se remettre d'aplomb. Retour de votre santé. Retour pour de nouveaux projets. C'est le miroir magique pour vous. Vous sortez de l'échec, enfin. Ce n'était pas une fatalité, mais il a fallu vous bagarrer bec et ongles pour retrouver votre joie suite à un rendez-vous qui va être acté. C'est pas de date. Je suis désolée. En tout cas, c'est durant le mois de mai. D'accord? Allez, on va aller voir les messages qu'on me donne avec les secrets de ton avenir en trois cartes en fonction. Hein, je vois ce que je fais ou pas. Allez, pour mes amis Capricorne. Attention à ta santé. Elle risque de se dégrader. Ok, ça on l'avait vu. Hein. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc, vous voyez bien, il y a des choses qui bougent, qui changent. La vie de certaines personnes sont à prévoir. Oui, je vous l'ai dit. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Effectivement, il y a des personnes qui sont très mauvaises. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Vaut mieux tard que jamais s'occuper de sa santé. Mais le changement est imminent. Il arrive dans ta vie. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le bon moment. Reste vigilant ou vigilante jusqu'à la fin du mois de mai. Reste vigilant ou vigilante à partir du 13 mai. Je ne sais pas quand ça tombe. Entre 13 et le 15, il y a... Il va falloir être à l'affût, hein, enfin, ouvrir les yeux, d'accord? Je continue. Il y aura des accords qui vont être signés.
et vous serez extrêmement heureux ou heureuse. Parce que vous partez sur un nouveau commencement. Mais il va y avoir encore des discussions, je l'ai vu tout à l'heure. Mais tout va s'arrêter. Il y a une croissance des choses qui s'arrête. Parce que vous avez tout au bout du bout. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va partir sur le sentimental avec Spark of Love. Allez, on y va pour mes amis Capricorne. Pour certains ou certaines, vous êtes en mode ermite, vous êtes isolé par rapport à vos amis, vous n'avez plus envie de partager quoi que ce soit, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'un dénouement, vous attendez un dénouement, vous attendez un verdict. On dit que vous avez besoin que la roue tourne enfin. On dit que vous restez sur la réserve au niveau financier, au niveau professionnel, par rapport aussi à tout ce que vous avez investi. Ce que vous avez investi par rapport à vos amis, ce que vous avez investi au niveau de la justice, ce que vous avez investi au niveau professionnel, sentimental aussi. On dit que là, les choses vont devenir magiques. C'est la mort pour la transformation. Vous avez fait du chemin, vous. Waouh! Et maintenant, vous allez pouvoir enfin vous amuser. Les choses seront beaucoup plus légères pour vous. Pour certains ou certaines, il y a un homme, une femme qui a passé à l'action pour revenir vers vous, pour une réconciliation. Pour vous, ça serait une opportunité, ça serait une chance, parce que vous êtes en train de reprendre votre force. Et reprendre votre stabilité. Vous restez serein ou sereine, mais vous avez bloqué votre petit cœur. Parce que maintenant, vous êtes plus impératrice ou empereur que jamais. Et maintenant, vous voulez de l'insouciance, vous voulez plus vous embêter avec le passé. À un moment donné, vous êtes dispersé au sein de votre foyer. Je vois beaucoup de rencontres au sein de votre histoire sentimentale. Je vois beaucoup de rencontres au sein de vos foyers. Mais ça vous a fait du bien. Maintenant, vous êtes prêts à avancer, à vous dépasser. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez compris pourquoi vous avez besoin de passer de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Vous avez compris pourquoi vous vouliez sortir à fond. Enfin, c'est comme... L'addiction, là, ce que je vois, une addiction, c'est je dois sortir, je vois du monde, il faut que je vois du monde, il faut que je vois du monde, vous voyez ce que je veux dire? Exprès pour pas tomber. Mais là, vous avez pris la hauteur par rapport au diable, par rapport à l'indépendance, par rapport à la dépendance affective que vous aviez aussi. Et vous étiez en plein doute par rapport à une personne, suite au conflit, à la dualité que vous avez vécu à cette personne. Vous avez été en confusion, en déséquilibre avec cette personne. Vous êtes posé mille questions suite à cette pause. Il y a des choses qui vous ont fait peur. Et maintenant, pour certains ou certaines, vous êtes passé au-dessus. J'ai l'impression, et c'est la grande réussite. Moi, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de sentimental qui vous a fait comprendre que ben là, après cette... deuil que vous avez du mal à faire. Vous avez besoin de vous amuser et de respirer, d'être fou ou folle, on va dire ça comme ça. D'accord? Parce que vous avez vécu beaucoup de choses sentimentales, dramatiques, on va dire aussi. Hein. Chérie, je parle. Hein. Vous pensez peut-être que c'était chérie. Peut-être que ce n'était pas le cas. Allez, nous allons partir sur un deuxième message. Iris le Normand. L'amour. Ah. L'amour, la stabilité. Ce que vous souhaitez, hein. C'est l'amour, la stabilité, un ancrage. Que la famille soit là pour vous. Mais là, il y a eu tellement de conflits au niveau familial, au niveau sentimental. Ça vous a énervé, vous avez fait un grand coup de balai, un grand coup de ménage, un grand coup de nettoyage afin de reprendre vos forces, afin de protéger aussi ce que vous aviez. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, peut-être des papiers aussi. On me dit que vous avez dû tout couper, c'était nécessaire pour sortir de vos angoisses.
votre stress, quelque chose qui vous a rendu malade, un homme ou une femme, c'est enterré, c'est mort, les blocages se terminent. Ok? Donc je donne tous les messages, c'est vous parle ou pas. On va faire un deuxième message. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie pour certains ou certaines. On dit que vous avez besoin de conseils, vous avez besoin qu'on vous écoute parce que là, vous êtes en période de mutation. Il n'y a rien qui bouge. Vous voulez une transformation, mais là, vous êtes en mu. D'accord? Vous gardez confiance en vous, vous gardez espoir. Il y a tellement de choses qui vous font mal que vous ne savez pas entre vraie illusion ou fausse illusion. On dit que vous avez eu du mal à reprendre votre sérénité depuis l'hiver, donc c'est pas longtemps, depuis décembre du coup. On me dit que là, c'est bon. Il y a un nouveau démarrage, on parle de rapidité sentimentale, on parle d'un grand changement pour vous. On va continuer. C'était nécessaire. Parce que vous avez pris de la hauteur. Parce que déjà, sentimentalement, ça s'est tellement écroulé pour certains ou certaines que vous avez peut-être dû en rester seul. Prendre de la hauteur pour reconsidérer des choses. Qu'est-ce que vous vouliez réellement dans votre vie au niveau sentimental? Parce que vous étiez trop en confusion, trop dans le brouillard, trop fatigué, trop dans le doute. Vous avez cherché toutes les clés. Toutes les solutions imaginables. Et là, vous partez avec quoi? Avec le soleil et le grand succès. Les clés, vous les avez en main. Donc, pour certains ou certaines Capricornes, il y a bien une rencontre. À savoir si elle sera, si elle sera certaine, je ne peux pas vous répondre là tout de suite. Hein. C'est une guidance privée. Sachant que les guidances privées, c'est pour un an. Au moins, je vois l'année. Je n'ai pas une guidance pour 2, 3, 4 ans. Ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est foutaise. Hein. C'est que les marabouts... ou les personnes de... Bref. Si cette guidance vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.